On se tourne tout de suite vers toi, Lucie, pour la chronique patrimoine. Voilà, comme tous les mercredis, et donc aujourd'hui, et malgré le fait que je viens de sortir de 4 heures de partiel d'histoire ancienne, je vous dis pas, j'étais déterminée donc à faire une deuxième partie à ma chronique sur les rites matrimoniaux dans le monde. Et il faut dire que niveau mariage, hein, on est gâtés. Chaque pays du monde a ses propres traditions concernant le sujet. Alors si vous avez suivi la première partie de cette chronique, vous avez pu constater qu'il y a des perles d'étrangeté que l'on ne soupçonne pas. Alors chose promise, chose due, je vais vous en parler ce soir. Donc rendons-nous tout d'abord dans un pays proche de nous, l'Allemagne. Vous savez, une cérémonie de mariage, c'est souvent stressant pour les mariés. Ils sont le centre de l'attention pendant toute une journée, tout le monde veut leur parler, ils peuvent même pas aller aux toilettes tranquilles, les pauvres. Alors pour affronter cette dure journée et aussi afin d'éloigner les mauvais esprits et les disputes, la veille du mariage, les proches des futurs mariés sont invités au domicile conjugal afin de casser un max de vaisselle. Alors autant vous dire que c'est vachement bien pour se défouler, hein, voilà. Moi j'aimerais bien le faire. De toute manière, hein, l'état sa fleur, c'est complètement moche. Donc partons maintenant aux Pays-Bas. Lors des mariages, on boit en général du champagne, et pas que d'ailleurs. Or il est de coutume chez les Néerlandais de garder le bouchon de la première bouteille de champagne ouverte. Et pourquoi est-ce qu'ils gardent le bouchon ? Alors, tout simplement, en fait, pour le mettre sous l'oreiller du couple pendant la nuit de noces, et c'est censé leur garantir fertilité. Alors moi, je dis que c'est une méthode comme une autre, hein, faut pas juger. Donc, dirigeons-nous maintenant vers un pays un peu plus lointain, la Chine. Alors, si vous ne le saviez pas, ce pays a longtemps utilisé des archers à la guerre, et ces archers étaient d'une grande dextérité. Alors maintenant, essayez de faire un mélange entre le tir à l'arc et la mythologie grecque, et vous obtiendrez une sorte de Cupidon chinois. En effet, depuis plusieurs millénaires dans la culture yougour, la tradition veut que le marié tire trois flèches dépourvues de pointe, bien sûr, hein, sur la mariée. Ainsi, si ce rite est bien effectué, le mythe veut que les deux tourtereaux s'aiment pour toujours. Voilà, c'est beau l'amour. Enfin, pour notre dernière tradition, allons un peu plus au soleil, dans les Fidji. Alors c'est beau les Fidji, hein, y a des fleurs, y a des tortues, y a des baleines. Alors pourquoi je vous parle de baleines, me direz-vous ? Enfin c'est très simple. Au Fidji, lorsqu'un homme veut se marier, il doit demander la main de la future épouse au père de celle-ci, et aussi en fait lui rapporter une dent de baleine. Une vraie dent de baleine. Alors où trouve-t-on des dents de baleine ? Ben dans une baleine, voilà. C'est parfaitement normal. Alors effectivement, bon j'espère que tous les hommes ne font pas ça pour se marier, parce qu'à mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui doivent revenir vivants de leur escapade dans l'océan. Hein. Voilà mes petits cultures au vore, c'est tout pour ce deuxième volet sur les rites matrimoniaux. J'espère que je ne vous ai pas fait passer l'envie de vous marier. Hein. Vous savez, c'est important de savoir ce qui se passe autre part dans le monde pour se rendre compte que nos propres traditions en fait peuvent paraître étranges pour d'autres peuples. Alors, en découvrant comment ça se passe ailleurs, on ne peut devenir que plus tolérant. Je vous souhaite avec tout ça une bonne année et je vous fais des bisous. Merci beaucoup, Lucie.